Salut à toi l'athlète, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bien sûr avant de commencer la vidéo, j'ai toujours une petite question pour toi. Et la question est la suivante, selon toi, quel est le poids maximal que j'ai déjà atteint sur cette balance? Ok? Donc bien sûr tu sauras en fin de vidéo. Dis-moi ça et on attaque tout de suite. Donc salut à toi l'athlète, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ma balance connectée, encore une autre pépite. C'est quelque chose d'extra, c'est encore quelque chose de fou. Alors oui, je sais, je présente toujours des choses de fou. Ben oui, parce qu'on vise l'excellence, et oui. Donc, si tu ne l'as pas encore compris, je te le dis. Donc, pour ça, il faut du matériel de qualité. Et voilà pourquoi on va aborder maintenant ma balance connectée. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est un point très, très, très important. Comme je l'avais déjà dit, on vise l'excellence, ok? Et pour ça, j'ai acheté, hein, et c'est pour ça que je le conseille, je vous conseille d'acheter cette balance. Pourquoi? Parce que cette balance est la balance connectée numéro 1 en France, ok? La balance connectée numéro 1 en France. Ok, d'accord? Numéro 1, athlète, champion, tu vois, il y a... Tout est lié. Tout est lié. Non, mais voilà, c'est la meilleure des balances, donc autant la prendre quoi. Autant la prendre. Et en plus, elle regorge énormément de fonctionnalités qu'on va aborder tout de suite. La première, c'est que c'est une balance qui peut s'adapter à tout type de personne. Donc, que ce soit un sédentaire, que ce soit un sportif, que ce soit une femme enceinte, que ce soit une personne tout simplement. On peut aller toucher tout le monde avec avec cette balance. De plus, cette balance peut regrouper 8 utilisateurs. Donc, ça veut dire que 8 personnes totalement différentes peuvent voir leur évolution, leur poids, leur masse graisseuse, leur masse osseuse, leur masse musculaire, leur quantité d'eau, leur IMC. Ils peuvent voir tout ça. Et ça, donc c'est en gros, c'est une famille, quoi. C'est ça qui est énorme, c'est que c'est une famille. C'est compatible avec 100 applications. Donc moi je l'utilise avec MyFitnessPal qui lui-même fait la transition sur mon Samsung Health, et ça c'est énorme. Il est un peu cher, je dois avouer qu'il est un peu cher. Il coûte 100 € 99,95 sur leur site, hein. Ça coûte 99,95 centimes. Cependant, je vous promets que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que il a tellement de fonctionnalités, tellement de possibilités. Bien sûr, il y a l'application qui va avec. Bien sûr, il peut se connecter avec justement la Wi-Fi de chez vous. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de mettre le mode athlète. Donc, voilà. Voilà. Donc, on va voir ça tout de suite et concrètement sur l'application. Et je vous retrouve tout de suite sur mon écran. Voilà. Là, on va voir mon téléphone dans 3, 2, 1, fou, c'est parti, voilà. Donc là, on rentre directement sur le téléphone. Et bien, ça se présente comme ceci, hein. On a notre petit menu accueil avec le poids, le nombre de pas. Bien sûr, ça peut faire beaucoup plus. Comme j'ai déjà aussi ma montre connectée, j'ai pas cherché à ce que ça fasse beaucoup plus. Parce que c'était juste au niveau de mon poids, j'aimerais avoir des informations. Donc quand je disais, là je fais 119 kilos, quand même. Et là-dessus on peut voir ma masse grasse qui est de 31, ma masse musculaire qui est de 83 kilos, et ma masse osseuse qui est de 4 kilos 2. Ok, ça c'est énorme. Et énorme. Et ça, la masse hybride, je m'y connais pas trop, je vais pas m'avancer là-dessus. Mais sachez que c'est un mélange de je sais pas quoi, voilà. Donc ça c'était le dimanche 21 mars, le dimanche juste avant c'était... Je me pèse tous les dimanches en fait. Donc le dimanche 14 je faisais 118, avant je faisais 118, 117, voilà. Et pour voir ça de façon plus graphique, on va dire, on a cette vue qui est aussi incroyable et qui permet de savoir que voilà, ok, là je suis en pleine prise de poids, je sais pas pourquoi, et pourtant on est loin d'une grosse session d'activité. Avant le 24 mars, je faisais quand même 114 kilos. C'est incroyable.
114 kilos et je suis déjà quand même descendu à 113,5. Et 118, ok. On a une visio aussi comme ça, ça peut être vraiment intéressant. Et voilà, on peut avoir l'IMC, on peut avoir toutes les infos qu'on s'était dit, masse osseuse, masse musculaire, on a tout, vraiment masse grasse, ça aussi c'est intéressant. On peut voir en semaine, on peut voir en mois, on peut voir en année, ok. Ça c'est vraiment bien parce que justement je me pèse chaque semaine et du coup tu peux voir aussi en une semaine combien tu as pris ou en un mois combien tu as perdu et ça c'est intéressant. Là en janvier j'ai perdu 1 kilo et en février j'en ai pris 2. C'est énorme. Mais voilà, c'est juste pour vous dire tout ça et ça c'est plutôt cool. Et pour finir, pour répondre à ma question, ou à la question quel est le poids maximal que j'ai déjà fait, donc il suffit juste de regarder le graphique à l'année et de prendre le pic qu'il y a eu. Donc on voit que le pic ça a été en août, ok. Donc août c'est un peu compréhensible parce que c'était les vacances, enfin en tout cas il n'y avait pas de pratique sportive, ce qui n'est pas bon du tout. Et ça a été de 22,8 kg, ok. Donc malheureusement j'ai pas pu calculer les autres informations telles que la masse grasse, la masse osseuse et la masse musculaire, mais on peut voir que mon IMC était à 31, ok. Donc ça c'est intéressant et toutes ces infos sont répertoriées, ils sont là, c'est énorme. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à acheter une balance, je te promets qu'elle te sera bénéfique et puis tu verras par la suite qu'est-ce qu'on fera avec ma balance et tu vas voir, tu vas vite comprendre. Allez, prends soin de toi, équipe-toi et bisous. Et n'oublie pas de t'abonner, hein, parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres similaires ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.